Moi, je suis arrivé à Paris en 1978-79. Je venais de ma petite province. Quand on rentre dans ces galeries, je dirais que ça sent la peinture. Voilà. La note principale, c'est le bleu. Et l'idée du bleu, c'est la mer et aussi le ciel. C'est cette confusion entre la couleur de l'eau et la couleur du ciel. Ce sont des poissons qui viennent là se promener. Ça inspire souvent plutôt le calme et la sérénité. Il y a la notion d'espace et d'infini. La mer a un mouvement, un bleu changeant. Cette matière se transforme et elle devient, avec le temps, je dirais, plus légère. Il faut rentrer dans un univers, en fait. C'est un univers fait de faune, de flore. Parfois, ce sont des étoiles. On ne sait même pas si c'est une étoile de mer ou une étoile filante. Les étoiles forment des dessins. Je vous ai proposé, je dirais, une promenade d'une exposition parisienne, afin que vous voyez ce qui se passe ici, dans ce beau Paris. Et j'espère à très bientôt.